On va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême, cause première de toute chose, et vers tous ses frères, ses esprits missionnaires qu'il nous envoie en permanence pour nous assister, notamment le guide spirituel de chacun d'entre nous, dont la mission est de nous protéger, de nous aider à travailler, à avancer sur notre parcours évolutif, à surmonter les difficultés naturelles du quotidien. Nous les remercions de cette occasion que nous avons aujourd'hui d'être réunis pour étudier, voir justement la question de l'influence du monde spirituel sur le monde matériel, que nous puissions bien comprendre ces lois, cette influence, afin d'acquérir le discernement nécessaire pour chercher les bonnes inspirations, repousser celles qui sont moins bonnes, et que ces lectures et ces réflexions d'aujourd'hui puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient les suivre dans nos domiciles respectifs, ainsi soit-il. Donc, vous voyez tous mon écran, je vous ai mis le programme. Hein. Donc, le 10 avril, ouais, c'est ça. Donc, on passe déjà au module 4, hein, communicabilité des esprits. Et donc, il n'y a qu'un seul module, qu'un seul cours dans ce module qui est donc l'influence des esprits sur nos pensées et nos actes, et donc médiumnité et médium. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La semaine prochaine, on passera déjà à la question au module sur la réincarnation. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de faire comprendre le processus de communication des esprits avec le monde corporel. On verra si les esprits ont une influence sur nos pensées et nos actes et sur les événements de la vie, hein, et laquelle. On va indiquer aussi la manière de neutraliser l'influence exercée par les mauvais esprits. Ensuite, on va définir ce que c'est que la médiumnité et les médiums. Et on va voir aussi rapidement le but de la médiumnité. D'accord? Alors, c'est la question 459 qui est assez connue dans le livre des esprits, hein, où il demande « Les esprits influent-ils sur nos pensées et nos actions, et sur nos actions ?» Et la réponse des esprits, elle est assez surprenante parce qu'ils disent « Sous ce rapport, leur influence est plus grande que vous ne croyez, car bien souvent, ce sont eux qui vous dirigent. » Alors, c'est simple, court et direct. Hein? Et effectivement, ils disent bien souvent, ils ne disent pas toujours. Hein? C'est eux qui nous dirigent. Alors, la question tout de suite qui se pose, c'est oui, mais est-ce qu'ils nous dirigent bien ou mal? Ça dépend. Hein? Les bons esprits vont nous diriger, vont nous aider vers le bien. Et encore, ils ne vont pas faire le boulot à notre place, ils vont nous laisser nous faire, hein, avec notre libre arbitre, et vont nous laisser le mérite aussi. Par contre, il y a aussi des esprits qui sont moins bons et qui peuvent aussi nous mettre le grappin dessus, et là, par contre, nous diriger dans le mauvais sens. Hein. Voilà. D'où la question un peu plus bas, hein, 464, où Kardec demande, mais comment alors est-ce qu'on peut distinguer si une pensée suggérée vient d'un bon ou d'un mauvais esprit? Et la réponse des esprits, elle est aussi très très courte. Hein. Étudiez la chose, les bons esprits ne conseillent que le bien, c'est à vous de distinguer. Vous voyez, c'est très court aussi. Hein. Les bons esprits ne conseillent que le bien, c'est à nous de distinguer. Donc la distinction, c'est ce fameux discernement hein, dont je parle assez souvent. Il ne s'agit pas de juger, hein, mais il s'agit de distinguer le bien du mal. Et alors, la difficulté, c'est oui, mais qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, hein? Donc, ce n'est pas le but du cours d'aujourd'hui. Ben, le bien, c'est tout ce qui est en harmonie avec les lois de la nature, et le mal, c'est tout ce qui s'en écarte. Voilà, le référentiel, c'est l'harmonie avec les lois de la nature.
Maintenant, il y a d'autres références pour le bien, hein. Ce sont des missionnaires qui sont venus nous donner les enseignements et l'exemple, hein. Donc, par exemple, Jésus, le sermon de la montagne, aimez votre prochain comme vous-même, faites aux autres ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous. Voilà, bon, là, on a des références qui sont solides, hein. Et bien sûr, ce n'est pas le seul, il y en a d'autres qui sont venus. On retrouve ces mêmes enseignements dans le bouddhisme, dans l'islamisme, dans l'islam, dans beaucoup d'autres mouvements religieux, même d'autres leaders qui ont donné le même genre d'exemple, comme plus récemment, comme Gandhi ou d'autres. Hein? Voilà. Donc, le référentiel du bien, c'est la nature et c'est faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous. Est-ce qu'on voudrait la chose qu'on est en train de faire aux autres, est-ce qu'on voudrait que quelqu'un nous la fasse? Si la réponse c'est oui, ben oui. Si c'est non, ben c'est pareil, il faut pas le faire aux autres. Donc c'est là aussi c'est un comment dire, on se met dans les pieds d'autrui quoi. Hein, c'est un autre moyen que Jésus nous a enseigné pour distinguer entre le bien et le mal. Et après, bon, plus généralement. Les bons esprits, effectivement, ne conseillent que le bien et ils vont respecter notre liberté. Ils vont jamais nous imposer quoi que ce soit, jamais nous donner des ordres, ce genre de choses, hein. Ils vont plutôt nous donner des conseils, réfléchis à ceci, réfléchis à cela. En général, c'est en plein dans le mille, quoi. Ils savent exactement où est le problème, qu'est-ce qu'il faut travailler, hein. Et donc c'est un autre moyen encore de reconnaître par exemple notre guide spirituel. D'accord? Ensuite, par quels moyens peut-on neutraliser l'influence des mauvais esprits? Beaucoup de gens disent ouais, on entend beaucoup ça d'ailleurs, peut-être pas tellement chez nous, hein, puisque mais au Brésil, les gens disent souvent, bon, ben, il y a un esprit qui est témoin couche, qu'ils disent, hein, donc ça veut dire, j'ai un esprit qui m'a en quelque sorte mis le grappin dessus. Hein. OK, c'est possible, mais maintenant, bon, comment est-ce qu'on neutralise son influence dans ce cas-là, hein? Et puis la réponse des esprits aussi, ben, elle est très, très simple. C'est en faisant le bien et en mettant toute votre confiance en Dieu. Voilà. Alors, faire le bien, bon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. C'est sûr que si l'oisiveté, c'est pas bon, hein, ça ouvre la porte à ces esprits perturbateurs. Faire le mal, ben, ça les attire même encore plus, hein, puisque quand on fait le mal, quel qu'il soit, hein, l'agressivité, la violence, l'intolérance, ou voire les addictions, hein, l'alcool, le tabac, la drogue, etc. Eh ben, on va attirer d'autres esprits qui ont ces mêmes travers, et puis on rentre dans une sorte de cercle vicieux où ils vont nous pousser, ben, encore à fumer plus, à boire plus, puisque eux, à l'état d'esprit, ne peuvent plus fumer. Donc, ben, ils s'approchent de quelqu'un qui fume, et puis, quelque part, ils vampirisent, ils récupèrent les effluves, hein, de ces choses-là par l'intermédiaire entre guillemets, de leur victime. Hein. Voilà. Et en mettant toute votre confiance en Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, mettre la confiance en Dieu, c'est mettre la confiance dans la nature, le fait que le monde va vers un monde de régénération, hein, va évoluer positivement, malgré toutes les crises, malgré toutes les choses qu'on peut encore voir ici ou là, qui en fait ne sont que des catalyseurs, qui ne sont que des accélérateurs de cette évolution. Et Jésus disait déjà, il faut que le scandale arrive. C'est vrai qu'il y a encore des scandales qui arrivent, et surtout dans des moments de transition comme le nôtre, comme celui qu'on est en train de passer en ce moment. D'accord? Donc la confiance en Dieu, c'est ça, c'est la confiance en la sagesse des lois de la nature et au fait que pas tomber dans le pessimisme. Oui, parce que si on n'a pas confiance en Dieu, ben quelque part, on a confiance en quoi? On a peur, on est incertain, et la peur, l'incertitude, ce sont aussi des portes qui s'ouvrent pour l'influence
des esprits qui sont moins bons, hein, qui vont chercher à entretenir cette peur en nous pour nous dominer, pour nous manipuler. Vous savez, aujourd'hui, quand on dit il y a des esprits qui nous influencent, on les voit pas, hein, c'est sûr. Ceux qui sont pas médiums ne voient pas l'esprit qui est tout le temps derrière eux, hein. Ceux qui sont un peu médiums, ben, ils le sentent, hein. Ceux qui sont pas médiums du tout, mais qui s'observent, ben, ils verront qu'il y a des pensées récurrentes qui sont pas bonnes, qui sont obligés de lutter contre. Donc, ça leur donnera un indice qu'il y a un esprit qui est en train d'essayer de les turlupiner. Mais aujourd'hui, comment dire, la manipulation se fait pas seulement des esprits désincarnés vers les incarnés. Hein. Il y a énormément de manipulation des esprits incarnés vers les incarnés. Hein. Toutes ces fake news, tous ces discours fallacieux qu'on entend à droite à gauche, toutes ces actions subliminales, et j'en passe, c'est des meilleurs, hein, qui ont pour but de nous faire acheter des produits, de nous dévier, de nous. Voilà. Donc, là aussi, hein, cette recette, entre guillemets, hein, faire le bien, mettre toute notre confiance en Dieu, s'applique pas seulement pour l'influence des esprits, des mauvais esprits, désincarnés, mais aussi des mauvais esprits incarnés. Le discernement dont on parlait tout à l'heure, il est nécessaire aussi à l'état de veille. Et donc, la deuxième partie du module d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est qu'un médium? Donc, voilà, dans le chapitre 15, item 159 du livre des médiums, Kardec nous dit, toute personne qui ressent à un degré quelconque l'influence des esprits est par cela même médium. Cette faculté est inhérente à l'homme et par conséquent n'est point un privilège exclusif. Aussi en est-il peu chez lesquels on en trouve quelques rudiments. On peut donc dire que tout le monde est, à peu de choses près, est médium. Toutefois, dans l'usage, cette qualification ne s'applique qu'à ceux chez lesquels la faculté médiumnique est nettement caractérisée et se traduit par des effets patents d'une certaine intensité, ce qui dépend alors d'une organisation plus ou moins sensitive. Donc, tout le monde est médium, à peu de choses près. Qui c'est qui n'a pas d'intuition, d'inspiration? Qui c'est qui n'a pas une idée qui arrive comme ça, sans savoir d'où? Hein? Qui c'est qui n'a pas la voix de la conscience qui se manifeste à lui de temps en temps? Tout ça, c'est les formes subtiles de la médiumnité qui sont admises par tous, hein? Même par ceux qui ne croient pas à l'esprit. Et donc, qui souvent peuvent, enfin, qui peuvent représenter justement l'influence d'un esprit. Mais donc le mot médium, il s'utilise plutôt pour les personnes qui ont une médiumnité un peu plus ostensible, comme il dit, hein, des effets patents d'une certaine intensité. Et quelle est la différence donc entre ces médiums plus sensibles et les autres? Eh ben, il nous dit, cela dépend d'une organisation plus ou moins sensitive. L'organisation, on entend ici, ben, l'organisme. Donc, la médiumnité tient dans une caractéristique organique de notre corps physique. Et les recherches qui ont eu lieu depuis Kardec parlent notamment de la glande pinéale, de certains cristaux avec des propriétés magnétiques qu'auraient les médiums, mais pas d'autres. Bon, rien n'est encore absolument établi de ce côté-là, mais les recherches continuent et ben, on arrivera bientôt, je pense, hein, on verra. Avec un diagnostic d'imagerie médicale ou autre chose, à trouver si une personne, elle a plutôt tendance, elle a, je dirais, cette prédisposition à être médium ou pas. Voilà. Donc, et Kardec continue, toujours l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 24, item 12. La médiumnité tient à une disposition organique dont tout homme peut être doué, comme de celle de voir, d'entendre et de parler. Voilà, donc il y en a qui sont médiums, donc ostensibles, et d'autres pas. C'est tout simplement comment dire, une faculté organique, une disposition organique. La médiumnité est donnée sans distinction afin que les esprits puissent porter la lumière dans tous les rangs, dans toutes les classes de la société. Chez le pauvre comme chez le riche, chez les sages pour les fortifier dans le bien, chez les vicieux pour les corriger. Vous voyez, donc les donner à tout le monde de façon
indistinctement, hein, et donc aussi bien aussi aux hommes qu'aux femmes, même si ben, dans la pratique, on constate que y a plus de femmes médiums que d'hommes médiums. La médiumnité n'implique pas nécessairement des rapports habituels avec les esprits supérieurs, c'est simplement une aptitude à servir d'instrument plus ou moins souple aux esprits en général. Le bon médium n'est donc pas celui qui communique facilement et beaucoup, hein, mais celui qui est sympathique aux bons esprits et n'est assisté que par eux. Une personne qui est médium, en fait, elle est médium 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Hein. Après, la personne contrôle cette médiumnité, hein, bloque l'influence des esprits au moment inopportun et peut aussi ben, participer à des réunions médiumniques où ben, elle exerce sa médiumnité encadrée d'une équipe spirituelle, d'une équipe incarnée aussi qui assurera que ça se fera en toute sécurité. Et ça, c'est si elle le veut, hein, parce que y a beaucoup de personnes qui sont médiums mais qui ne veulent pas exercer la médiumnité. Bon, ben, c'est leur libre arbitre, hein. La médiumnité, souvent, ben, c'est un outil un peu contraignant, hein, ça oblige le médium quand même à faire attention à ses pensées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hein, dès qu'il se laisse un peu aller, hop, il sent tout de suite l'influence des esprits qui revient, enfin des moins bons. Là, c'est pas toujours simple d'être médium, mais on peut très bien vivre avec, même sans vouloir l'utiliser pour son prochain. Hein. Et donc, le bon médium, c'est pas celui qui communique facilement et beaucoup, mais celui qui communique plutôt qu'avec de bons esprits. Parce que des médiums qui écrivent des pages et des pages de blabla, de discours creux et des choses comme ça, bah ça manque pas. Mais bon, c'est totalement stérile et inutile, quoi. Et encore un point qu'on voit ici, donc, c'est qui vient de l'Évangile selon le spiritisme, toujours chapitre 26, item 10. La médiumnité est une chose sainte qui doit être pratiquée saintement, religieusement. S'il est un genre de médiumnité qui requiert cette condition d'une manière encore plus absolue, c'est la médiumnité guérissante. Le médium guérisseur transmet le fluide salutaire des bons esprits. Il n'a pas le droit de le vendre. Ah. Jésus et les apôtres, quoique pauvres, ne faisaient point payer les guérisons qu'ils opéraient. Donc ça, c'est un autre point. Donc pareil, si on veut attirer de bons esprits, hein, si on veut attirer des saints, des esprits élevés, eh ben, il faut faire ce qui les attire. Hein, parce que si c'est pour faire un amusement, un jeu, un objet de curiosité, deviner les numéros du loto ou j'en passe, c'est des meilleurs, prédire l'avenir, faire du Madame Irma, ben, on va attirer des esprits qui sont en harmonie avec ça et qui sont rarement bons, hein, qui sont plutôt des esprits qui cherchent à s'amuser aux dépens de la crédulité des gens. Hein. Ça c'est une chose, hein. Et il dit que c'est encore plus important pour la médiumnité guérissante, hein, puisque les médiums guérisseurs, ils transmettent le fluide des bons esprits, et donc il faut que les bons esprits soient là. Hein. Et donc, c'est pas son fluide à lui, hein, c'est pas un magnétiseur. Un magnétiseur, il donne de son fluide à lui, hein, de son fluide, de son ectoplasme, mais de son fluide magnétique. Mais le médium guérisseur, lui, il fait que transmettre les fluides des bons esprits. Donc, en fait, il reçoit quelque chose gratuitement, hein, puisque les esprits, eux, ne se font pas payer, hein, la carte bleue ne fonctionne pas dans le monde des esprits. Donc, c'est pas, il dit, ben, il faut que ce soit gratuit. Il n'a pas le droit de le vendre. Jésus qui avait dit, donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Parce que si le médium guérisseur, son but premier, c'est plus de guérir les gens, mais c'est de gagner de l'argent, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, les bons esprits vont s'éloigner, donc ça ne fonctionnera plus. Mais par contre, il y aura des mauvais esprits qui vont s'immiscer et puis mettre le bazar. Donc, la médiumnité ne peut pas devenir une profession. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Ce qui vient par la médiumnité, ça vient des esprits. Et donc, eux, ils ont un désintéressement total. Et donc, la meilleure manière de notre côté, c'est d'avoir aussi ce désintéressement. C'est ce qu'a fait Chico Xavier, c'est ce que fait Divado et beaucoup d'autres, hein, qui, même dans des cas, dans des situations où ils avaient des carences, des besoins d'ordre matériel,
ont toujours refusé de vendre en fait ce qui n'était pas à eux. Ils ont refusé de vendre ce dont ils ne disposent pas. Hein? Et c'est l'attitude la plus sage. Après, il y en a qui disent oui, mais les frais de déplacement, machin, truc. Bon, c'est, vous voyez, tout dépend de l'intention. Hein? Si l'intention, c'est de gagner de l'argent ou de voyager ou de se mettre en avant, ben, c'est pas bon. Hein? Si l'intention, c'est plutôt d'être humble, discret, que la main gauche ne sache pas ce que fait la main droite et d'aider son prochain, là, ben, ce sera bon. Voilà. Patrice? Et je voulais savoir, mais est-ce que ça veut dire que donc tous les médiums qui font payer, ou qui ne font pas, par exemple, qui ne sont pas dans un centre spirit ou qui font de l'aide aux esprits souffrants, donc tous ces médiums-là sont forcément des médiums avec des mauvaises communications? Non, encore une fois, ce n'est pas forcément, hein, c'est ce que je viens de dire. Tout dépend de l'intention. Hein. Y a eu des cas, et puis certainement vous en connaissez peut-être aussi, hein, j'ai vu des personnes qui étaient dans le deuil, dans des situations difficiles, aller voir un médium payant, payer pour voir un médium, et qui ont reçu la consolation, qui ont reçu des preuves d'identité. Voilà. Donc, les bons esprits n'hésiteront pas à utiliser un médium vénal pour une personne qui le mérite. D'accord. Hein, ils soufflent où ils veulent. Hein. Mais voilà, la personne qui y va dans un but de curiosité, etc., ben, elle va recevoir n'importe quoi. Disons, personnellement, je ne conseille pas d'aller voir un médium, enfin de payer pour aller voir un médium, parce que vous avez absolument aucune garantie de son honnêteté, du résultat. Hein. Et donc, c'est à déconseiller. Hein. Vous trouverez facilement d'autres médiums ou institutions qui feront la même chose sans faire payer. Alors, c'est à chacun de voir qu'est-ce qu'il veut faire. Si les gens veulent continuer à. Hein, c'est la liberté, encore une fois, qui prime par-dessus tout. Ouais, mais Mais là, Kardec explique pourquoi, pardon. beaucoup de gens vont voir des médiums, pas forcément pour avec des pensées, comment dirais-je, négatives, mais des gens qui arrivent une fois dans leur vie, savent pas trop où ils en sont pour X raisons, ils veulent avoir, on va dire, une vue sur ce qui les attend, mais sans, voilà, parce qu'ils sont un petit peu dans une situation un peu particulière, un peu difficile. Ils vont donc voir des médiums et parfois ils ont des informations qui peuvent les aider, qui peuvent justement les faire rebondir, qui peuvent leur Oui. apporter quelque chose de positif pour avancer. Ils vont aller Oui. voir donc ces médiums, ils ne vont pas forcément aller dans un centre spirit, donc ils vont aller voir un médium qu'ils auront entendu parler, le bouche à oreille souvent, ils vont avoir une information qui va leur servir, hein, et pourtant ce médium va faire payer. Alors on dit que les médiums, ils ont leur propre guide, hein, c'est pas forcément, voilà. Alors, je veux dire, ces gens-là, voilà, ils rentrent pas dans les, ils vont pas forcément dans des institutions, dans des centres spirites, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas forcément mauvais, quoi. Même si parfois ça peut être du matériel, ils peuvent attendre une réponse matérielle à des questionnements purement matériels, ça peut avoir quelque part un côté positif quand même, ça peut les faire évoluer quand même. Tu comprends ce que je veux dire? Comme tu dis, ça peut, mais ça peut aussi ne pas en avoir, tu vois. Il y a des médiums qui peuvent dire des choses à des personnes comme ça, hein, en situation de difficulté, d'incertitude et tout. Si elles sont influencées par un mauvais esprit, ça va faire l'effet inverse, c'est-à-dire que la personne qui va les voir, elle peut s'enfoncer encore plus. Oui, tout à fait, oui, ça peut. Tu vois? Donc, c'est une lame à double tranchant, c'est ça que je dis. Hein. C'est pas forcément hein, en fait, les bons esprits peuvent très bien utiliser un médium comme ça pour la personne qui le mérite. Mais en général, voilà, c'est à double tranchant. Le désintéressement hein, du médium, le médium qui fait ça par dévouement, vous aurez quand même beaucoup plus comment dire, de garantie hein, de son honnêteté que le médium qui a 150 euros la séance, quoi. Ça me paraît évident. Maintenant, voilà, ce n'est pas toujours, encore une fois. Et la personne qui a des difficultés dans sa vie, etc., pas forcément obligée d'aller voir un médium non plus. Elle peut très bien aller voir un coach ou
des psychologues ou des personnes spécialisées pour des psychothérapeutes ou autres. Hein, pas forcément besoin d'aller voir un médium. Mais souvent, les médiums, ils allient un peu les deux avec l'habitude. Ils savent poser des questions aux gens, ils savent ce que les gens attendent. Et c'est là où c'est, hein, parce que bon, souvent, ils ont une faculté médiumnique qui est vraie au départ, qui est réelle. Hein, ils sont vraiment médiums. Mais à force de l'utiliser pour gagner de l'argent, à des buts vénaux, les bons esprits s'éloignent. Et ça, quand les bons esprits ne sont pas là et que le rendez-vous, la personne est là, ils font quoi? Tu vois? Les honnêtes, ils disent, écoutez, aujourd'hui, ça ne va pas, revenez un autre jour. Hein? Et il y en a d'autres qui, ils font 3-4 questions, ils savent très bien. Tu sais, quand tu dis une chose directe comme ça, tu as une chance sur deux d'avoir juste. Donc, si tu dis 10 choses, 10 affirmations directes, il y en aura statistiquement 5 qui seront vraies. Et la personne, elle aura tendance à retenir celles qui sont vraies en disant, punaise, comment est-ce qu'il a fait pour voir ça? Tu vois? Alors qu'en fait, il n'a rien vu du tout, quoi. Hein, c'est juste une habile manœuvre qu'il a utilisée. Et à partir de là, donc, on tombe vraiment dans la malhonnêteté. Ah oui, là, oui. Hein, il se fait de l'argent sur la crédulité de la personne fragile, en plus, qui est devant lui. C'est pour ça que, bon, en tant que spirit, nous, on dit non. Charbonnier, il dit oui, mais les médiums, machin. Nous, non, non, non. Le gars qui est obligé de travailler pour gagner sa vie, eh bien, qui travaille et puis il fera la médiumnité dans son temps libre. Hein, il n'y a pas besoin d'être médium comme ça en permanence, etc. C'est Chico, enfin, tous les plus grands médiums qu'on connaît n'ont jamais fait comme ça. Vincent? Je pense que tu as totalement raison. Il vaut mieux chercher de l'aide chez un psychologue ou chez... quitte à payer un psychologue, hein, parce que le psychiatre est remboursé. Mais j'entends par là que moi, je vois la médiumnité comme un moyen de nourriture spirituelle, c'est-à-dire ne pas avoir d'attente et recevoir ce qui est donné et attendre des choses qui construisent une relation au monde riche. Et pas quelque chose qui soit un besoin, quoi. Exactement. Et puis après, bon, il y a aussi, il peut se créer une dépendance. Hein. Les médiums, bien sûr, quand ils gagnent de l'argent, ils ont tout intérêt à ce que la personne revienne, à ce que cette dépendance s'installe. Alors que dans le milieu spirit, on dit toujours, faut faire tout ce qu'il faut pour pas qu'il y ait de dépendance. Hein, faut apprendre à la personne, faut peut-être lui donner du poisson au début quand elle en a besoin, mais il faut surtout lui apprendre à pêcher, hein, et dépersonnaliser au maximum. Hein, il y a des groupes spirit, notamment dans la région de Lyon ou sur leur site internet, vous avez le trombinoscope des médiums, une espèce de curriculum. Alors, les personnes vont là-bas, elles disent, je veux celui-là. Déjà, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Il faut dépersonnaliser, hein, parce pour pas que cette dépendance s'installe. Christophe? Oui, j'ai plein de questions, mais on va revenir sur le fait d'être payeur ou pas, parce que c'est le sujet tabou de toute façon. Chaque fois qu'on va sur une plateforme de médium en tout genre, on se fait insulter quand on évoque ces justifications. C'est normal, puisque ça contrarie leur business, quoi. Bien sûr, c'est clair, mais c'est pas grave. Après, ce que je mets surtout en avant, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire qu'on est en train de jouer avec le libre arbitre des gens. S'il va à droite, s'il va à gauche, mon esprit m'a dit d'aller à gauche, d'aller à gauche, boum, c'est l'accident. Ou c'est une chose qu'il n'avait pas à vivre. Ou alors il devait vivre justement cette épreuve, mais il faut qu'il continue à la vivre. Donc on joue sur le libre arbitre, c'est là que c'est hyper dangereux. Déjà, et d'une. Moi, je sais. C'est terminé parce qu'en fait, on a eu la réponse hein, juste au-dessus, c'est faites confiance en Dieu. Peu importe ce qui vous arrive, ça n'a rien de poser des questions. Si ça vous arrive, c'est que ça doit vous arriver. Bref, moi, une question, c'était tout au départ. Tu dis que les esprits, effectivement, se délectent des effluves. Mettons, je prends d'un fumeur ou de quelque chose qui boit. Je
comprendre que un esprit, un mauvais esprit qui tourne autour de nous et qui se délecte, je sais pas, qu'on soit mal poli avec quelqu'un ou qu'on fasse de très mauvaises actions, mais de boire, comment de fumer, comment il peut matériellement ressentir quelque chose, enfin, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ah. Est-ce que c'est juste le fait que il t'a influencé pour que tu boives, qu'il se délecte, ou alors c'est parce qu'il lui manque, il est mort, et c'est un ancien alcoolique, un ancien fumeur, et il a besoin de ça pour. J'ai du mal à comprendre là-dessus. C'est les deux. C'est les C'est-à-dire deux. que lui, il fumait, il buvait, et puis il était dans l'état où la personne incarnée est au moment où elle le fait. Donc, comment dire, sont des esprits qui vampirisent. Hein. Donc, si tu veux, le ressenti que la personne a, ben, des effets aussi de la drogue, hein, notamment, ben, l'esprit, en te vampirisant, ben, il les ressent aussi un petit peu, pas matériellement comme il le ressentait quand il était incarné, mais il en ressent quand même, comment dire, les effluves et puis tout l'état d'esprit et les pensées qui en découlent. Tu vois? C'est le fait de te faire Et après, succomber ben, effectivement, il y en a qui sont pervers et qui poussent, qui vont. Voilà. C'est pour ça que les addictions, il y a deux aspects. Il y a l'aspect matériel, hein, l'effet de la nicotine dans le sang, le cerveau, etc. Mais il y a aussi l'effet spirituel, des esprits qui sont là et qui te poussent à refaire, à reconsommer. Donc, si on veut traiter efficacement quelqu'un qui veut vraiment arrêter de boire, il faudra qu'il voie les deux plans, c'est-à-dire arrêter de fumer, par exemple, bon, ben, il faut peut-être le patch, hein, les choses médicales, les produits de substitution et j'en passe, mais il faut aussi qu'il y ait la volonté de couper par rapport à ces entités qui sont là et qui le poussent à faire ça, ce qui est en général pas trop difficile, parce que ces esprits-là, c'est des esprits qui sont malheureux. Et donc, quand ils voient que la personne résiste et ne veut plus ou ne consomme plus et tout, ils vont partir, vont aller en trouver un autre, tu vois. Et donc, ce n'est pas des esprits qui sont attachés de karmiquement pour une vengeance ou qui ont été trucidés dans une vie passée, des choses comme ça. Ceux-là, ils sont plus difficiles à enlever. Ceux qui sont juste là en opportuniste, et ben, dès que tu ne leur donnes plus d'opportunités, ils s'en vont. Mais il faut travailler sur les deux. Les esprits sympathiques, comme on les appelle. Les amis stimulants. Les amis stimulants. Merci, Pierre. Mais je t'en prie. Michel? Oui, les amis stimulants, c'était Chico Xavier qui disait ça, je crois. Ouais. À ce propos, pour Christophe, alors je pense qu'il y a beaucoup de livres qui en traitent de sa question, mais il y a un livre de Chico qui s'appelle « Le sexe et destin ». Qui avait été dicté par André Louis et qui est très intéressant parce que il y a des exemples en fait d'esprits qui respirent la fumée que la personne fume ou qui sentent, qui se délectent en fait de l'odeur du whisky qu'il est en train de boire et etc. C'est Sexe et Destin, il s'appelle ce livre. Oui. Voilà. Et enfin, il n'y a pas que ça, hein, c'est pas juste l'histoire de ça, bien sûr. Mais on voit des exemples précis et qui sont bien documentés, quoi. Voilà. Voilà. J'ai une question. Oui. Oui, vas-y, Charles. Non, je disais, tout ça, ça illustre l'influence des esprits sur les incarnés. Oui. Qu'on soit médium ou pas. Hein. Est-ce que le fumeur, il est forcément médium? Pas forcément. Et j'avais une question aussi, Charles, à propos de ce qu'on a dit tout à l'heure dans l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 24, item 12. La médiumnité est donnée sans distinction chez les vicieux pour les corriger. En fait, bon, enfin, chez les vicieux, ça veut dire chez celui qui n'a pas de médiumnité autre. Bon, voilà, ça c'est moi, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, la médiumnité que l'on reçoit, si petite soit-elle, quand c'est pour soi, c'est vraiment cette médiumnité de savoir si c'est le bien ou si c'est le mal. C'est la question à notre conscience. Est-ce que ça fait partie de la médiumnité aussi? C'est-à-dire que notre conscience, à un moment, je ne sais plus
enfin, on ne l'a pas cité là, mais dans le livre des esprits, il y a cette question qui est très intéressante. Comment savoir ce qui est bien? Eh bien, c'est dans ta conscience. Enfin, je ne sais plus exactement la réponse. Donc, est-ce que c'est ça, ce que ça veut dire aussi, que cette médiumnité chez les vicieux pour les corriger, est-ce que c'est celle de la question à sa propre conscience qui nous dit, eh bien, oui, là, j'ai mauvaise conscience, justement, je n'ai pas fait ce qu'il y avait de bon. Et est-ce que ça aussi, c'est de la médiumnité? Oui, c'est-à-dire la voix de la conscience, c'est comme tout comme l'intuition ou l'inspiration, c'est une forme de médiumnité, d'influence des esprits sur les hommes. Mais quand il dit que c'est donné chez les sages pour les fortifier, chez les vicieux pour les corriger, il dit que c'est pas parce que tu es médium que tu es un esprit évolué, tu vois, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que tu peux avoir des esprits sages qui sont médiums, mais tu peux aussi avoir des esprits tordus ou vicieux qui sont médiums. Hein, la médiumnité n'est pas l'exclusivité des esprits évolués. C'est surtout ça que ça veut dire. Et alors, on peut poser la question, mais pourquoi est-ce qu'un esprit, une personne mauvaise, elle peut être médium? Eh bien, comme tu viens de le dire, c'est justement pour l'aider à se corriger. C'est les esprits qui pourront, par la voie de la conscience, lui faire comprendre, non, arrête, tu ne peux pas continuer à faire ça, etc. Donc, ils ont quelque part une aide de leur guide spirituel, entre autres, hein, pour les aider à devenir meilleurs. Donc, c'est toujours la médiumnité, ce qui en découle, c'est que c'est toujours donné dans un but utile. Hein, mais, tout comme la parole, hein, mais après, chacun avec sa liberté peut utiliser la parole pour dire de bonnes choses ou pour dire de mauvaises choses, pour exciter les gens à la violence, à l'orgueil ou autre. Hein, et la médiumnité, ben, c'est pareil, c'est une faculté qui est neutre et qui, selon le libre arbitre de chacun, pourra être utilisé pour le bien ou pour le mal. D'accord. La magie noire, typiquement, c'est la médiumnité utilisée pour le mal. On appelle des mauvais esprits pour, tiens, vous ne voulez pas aller me persécuter un tel ou une telle. La magie noire, en gros, c'est ça. Hein. C'est faire un pacte avec des mauvais esprits. Voilà. Et si la personne, un tel ou une telle qui est ciblée, ben, elle est un peu, elle fait pas attention, elle peut effectivement en souffrir pas mal. Hein. Et il y a des cas... Alors, on le voit un peu chez nous, mais quand j'étais au Brésil, on le voit beaucoup plus, hein, ce genre de pratiques, hein, qui viennent de certains cultes africains, utiliser la magie noire pour arriver à ses fins ou voire même pour faire mourir quelqu'un. Puis, il y a plusieurs personnes qui notamment un oncle, hein, de mon épouse qui, d'après ce qu'ils disent, serait mort parce qu'il y a eu un problème de femme quelque part et qu'il y en a une qui a fait de la magie noire et puis donc il était obsédé et puis il a fini par mourir de cette obsession. Mais s'il est mort, c'est parce que, bon, il était sensible, il était ouvert. Je suis désolé, un peu les reflets là, du soleil qui passe à travers les rideaux. C'est parce qu'il était ouvert à ça. Hein. Si tu fais de la magie noire contre Jésus, ça fera effet zéro. Hein. Les mauvais esprits vont s'approcher de Jésus. Quand ils vont voir qui c'est, ben, ils vont repartir. Alors, on n'est pas Jésus, mais on peut très bien résister à ce genre de choses. Hein, c'est pas, ça n'a pas une action, ça a une action en fait que si quelque part on se laisse un peu faire. D'accord. Merci. Mais je t'en prie, merci pour la question. Donc voilà pour la base. Alors, je sais pas si on n'aura probablement pas le temps de regarder tout le détail, mais bon, voilà. Donc cette fameuse question. Perdu le numéro 459, je ne la connais pas par cœur. Et là, vous voyez, on nous dit, c'est la même chose dans les rapports sociaux, d'accord ? On vivra en syntonie avec les gens qui nous entourent et qui forcément nous influenceront. Hein. Et après, bon, ben, il y a les affinités, ben, on aura tendance à aller dans des bars où on mange et où on boit, ben, on sera influencé par ça. On aura tendance à aller... je ne sais pas, dans des milieux extrémistes d'un côté ou de l'autre, ben, ça va nous pousser dans ce sens-là, etc.
Donc cette influence, c'est pas seulement des esprits désincarnés, hein, c'est aussi des esprits incarnés, comme on l'a vu. Ceux qui vont plutôt dans des forums, dans l'Internet noir, où j'en passe des meilleurs, eh ben, seront forcément influencés par ces choses-là. Et c'est pareil pour, tu parlais tout à l'heure du livre Sexe et Destin, des questions de pornographie ou ce genre de choses, c'est aussi extrêmement addictif. Les habitants du monde spirituel ne sont que des êtres humains désincarnés, donc ça on le sait. Hein. Ce qu'on retrouve de l'autre côté, ben, c'est la même chose que ce qu'on voit ici. Hein. Ces esprits-là, les mauvais esprits sur Terre ben, restent de mauvais esprits quand ils se désincarnent et vont continuer leurs agissements. Hein. Voilà. Par contre, il y a aussi des esprits élevés, hein, les guides spirituels, les parents, les amis, qui eux, par contre, cherchent plutôt à nous aider. Voilà. Donc, c'est l'image de. Il y a toujours le petit ange bleu et puis le petit diable rouge qui sont là pour nous influencer. Et c'est à nous de décider lequel on écoute. Voilà. Alors, attendez voir, j'ai regardé vite sur Skype, est-ce qu'il y aurait quelqu'un de perdu? Ah oui, c'est Giro. Voilà. Bon. Donc, ces échanges entre les esprits désincarnés et incarnés se font au même titre que les échanges entre incarnés dans les différents milieux sociaux. Voilà. Il faut se représenter, donc, on est tous plongés dans ce fluide universel hein, qui occupe l'espace comme ici, ben, on est dans l'atmosphère. On reçoit le fluide universel, c'est le conducteur de la pensée. Et donc, on reçoit constamment ces pensées qui vont vers nous, et tout comme nous, on en émet aussi en retour. Et donc, c'est toujours cette fameuse loi des affinités ou la loi de syntonie qui joue donc, dans ces rapports. Dès qu'on a une mauvaise pensée, on va attirer des esprits qui ont cette même mauvaise pensée, qui vont chercher à la pousser, à la développer, à l'encourager en nous. Et de même, bon, si on insiste dans les mauvaises pensées, les guides spirituels nous feront sentir où c'est pas bien de penser ça. Mais si on continue, si on les écoute pas, en fait, quelque part, les textes disent, ben, ils prennent un peu de distance, mais en fait, c'est plutôt l'inverse, c'est nous qui nous distancions d'eux, hein, puisque on part dans des milieux vibratoires, dans des milieux d'affinité. Qui sont différents de celui de notre guide spirituel et donc il arrivera plus difficilement à nous aider. Voilà. D'accord. Après, il y a aussi le père-esprit. Hein. Donc, quand on parlait de tabac, de drogue et tout ça, cette vampirisation se fait ben, au niveau du père-esprit, au niveau du fluide vital, hein, parce que nous, on a un père-esprit, l'esprit désincarné, il a aussi un père-esprit, et puis donc, dans les phénomènes d'obsession, de vampirisation, et même de médiumnité en général, le père-esprit joue un grand rôle. Et le père-esprit, donc, c'est pas matériel, mais il est semi-matériel. Voilà. Ensuite, ben, pour distinguer le bien du mal, bon, ben, c'est ce qu'on a vu, hein. Voilà. Les esprits, pourquoi est-ce qu'il y a des esprits imparfaits qui nous tuent le pin? Ben, c'est justement pour... nous tester, hein, pour nous confirmer dans la voie du bien. C'est pour nous apprendre. Ils peuvent même nous convaincre, on peut faire des erreurs et ensuite sentir les conséquences de cette erreur. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. L'apprentissage se fait par les essais. On essaye, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Les conséquences sont bonnes ou mauvaises. C'est une manière d'apprendre. Voilà. Les esprits inférieurs viennent à ton aide dans le mal quand tu as la volonté de le commettre. Mais si on n'a pas la volonté de le commettre, ben, ces esprits inférieurs, ils vont peut-être nous pousser à le commettre, mais si on ne le commet pas, ben, ils finiront par s'en aller et aller trouver quelqu'un d'autre qui sera moins résistant que nous. Donc, c'est toujours le jeu, hein, c'est celui qui est le plus, comment dire,
résistant, celui qui a le plus de volonté hein, pour aller ou ne pas aller dans un sens donné. Vincent ? Là, on parle déjà de gens qui sont conscients de leurs problèmes. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont alcooliques, qui ne reconnaissent pas leur alcoolisme ou qui roulent trop vite, par exemple, sur la route. Eux, ils ne sont pas dangereux. C'est toujours le voisin qui est dangereux. Et je pense que dans tous ces... J'ai beaucoup de mal avec les textes de Kardec qui sont très religieux et manichéens, c'est-à-dire le bien et le mal. Moi, je milite pour que les gens prennent de la distance avec leurs pensées et regardent ce à quoi ils pensent. Il y a des gens qui ne sont pas conscients de leurs pensées. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de ce à quoi ils pensent. Et ça, c'est une étape qui n'est pas du tout abordée, par exemple, dans les textes de Kardec. Et ça me manque. Il me manque quelque chose où on va rechercher non pas une identification à son ego, une identification à son problème. Par exemple, une fois qu'on reconnaît le problème, souvent les gens s'identifient. Après, ils vont dans les ligues anti-alcooliques. Je fais partie de la Croix Bleue et il y a un phénomène d'identification. Mais je milite vraiment pour que les gens aient du recul. Je pense que la médiumnité et tous ces textes de Kardec permettent de se décentrer, d'être un petit peu allé, de porter un regard sur soi, sur les autres, sur les pensées. Et bon, voilà, je pense qu'on a besoin d'une réflexion plus profonde que ce que nous proposent les textes de Kardec, malheureusement. Alors, je pense que c'est vrai ce que tu dis. La base, donc la question 919 qui dit « le connais-toi toi-même hein. ». C'est vrai que l'alcoolique, j'en connais hein, des alcooliques qui sont dans le déni, hein, qui disent « mais non, non, non ». Mais bon, là aussi, ça fait partie de l'apprentissage, c'est-à-dire que ils sont peut-être dans le déni, ils se rendent peut-être pas compte, mais comment dire, ils font l'erreur quand même, et donc l'alcool fera quand même, aura quand même les effets nocifs à la fois sur leur corps physique et au niveau de l'ambiance, des influences spirituelles qu'ils peuvent subir. Donc même les personnes qui sont dans le déni souffriront quelque part des conséquences hein, de la loi de cause à effet quoi. Hein, ils auront ben, le fumeur, il finira par avoir des problèmes au poumon, à la gorge ou ailleurs. Et donc c'est là où peut-être il se rendra compte. Même s'il se rend pas compte pendant, tôt ou tard, il se rendra compte ben, qu'il aurait mieux valu qu'il fasse plus attention, etc. Et c'est comme ça que se fait l'apprentissage. C'est comme ça que se fait l'évolution, hein, la personne qui ne se rend pas compte tout de suite, bon, ben oui, mais elle finira quand même par se rendre compte un jour pour que ce n'est pas dans son intérêt de continuer à faire ce qu'elle fait ou de faire autrement ou d'éviter de le refaire, etc. Donc ça c'est une chose. Maintenant, bon, par rapport à... C'est vrai que Pour expliquer les choses, on a tendance à aller dans les cas un peu qui sont clairs, hein, les cas qui sont franchement blancs ou noirs. Hein, c'est ça qui permet pédagogiquement de mieux comprendre les choses. Maintenant, c'est vrai que la vérité, elle est toujours quelque part au milieu. Les cas réels ne sont pas toujours aussi blancs ou noirs. Il y a beaucoup de gris. Hein, le tort n'est jamais que d'un seul côté. Voilà, mais pour faire comprendre les choses, c'est vrai que il y a cette phase qui constitue à aller un peu aux extrêmes hein, que j'utilise moi aussi assez souvent pour essayer de les expliquer. Maintenant, dans la réalité, c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe. Valérie ? Oui, moi, contrairement à Vincent, je trouve justement que... Alors, c'est peut-être un manque de connaissance justement de la part des gens au niveau du spiritisme et de tout ce que dit Kardec. Moi, je trouve plutôt que depuis que je connais Kardec, je m'interroge beaucoup plus justement sur mes pensées.
ça m'interpelle tout ce que je pense et j'essaye de me corriger, ce que je ne faisais peut-être pas forcément auparavant. Donc, moi, je trouve que ça aide plutôt, les livres de Kardec. C'est ça, le fait d'être conscient de cette influence spirituelle, ça nous fait comprendre qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on pense. Il faut qu'on, le fait de comprendre ça, on se dit, tiens, dès que tu as une pensée mauvaise, hein, quelle qu'elle soit, déjà, donc, comme c'est marqué là, donc, la pensée va émettre ces ondes de pensée hein, par le fluide cosmique universel qui vont finir par atteindre ou toucher l'objet de notre pensée, hein, que ce soit d'une autre personne ou un groupe. Donc, la pensée a une action qui est concrète, hein, qui est réellement influence. Et la deuxième action, c'est que elle résonne et puis elle va attirer des esprits qui ont la même pensée et qui vont finir par se rapprocher de nous pour rentrer dans un cercle vicieux et insister sur ce genre de pensée. Donc, quand on est conscient de ce genre de phénomène, c'est exactement ce que disait Valérie, on a tendance quand même à faire beaucoup plus attention. Et c'est un des avantages, c'est ça, c'est que même le bien et le mal, bon, c'est vrai que moi aussi, je n'aime pas non plus les questions religieuses. Hein. C'est pour ça que je dis, le bien, ce n'est pas ce qui est écrit dans l'Évangile et le mal, ce qui n'est pas écrit dans l'Évangile. Non, c'est le bien, c'est tout ce qui est en harmonie avec les lois de la nature et le mal, tout ce qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature. Donc, le référentiel, il est neutre, il est laïque en quelque sorte. Hein. C'est vrai que les lois naturelles et les lois divines, c'est la même chose puisque c'est Dieu qui le créateur de l'univers, hein, et donc, y compris des lois naturelles. Mais bon, je préfère utiliser l'expression loi naturelle plutôt que loi divine, justement pour ne pas donner trop ce caractère, entre guillemets, religieux et moral hein, au spiritisme, parce qu'il ne l'a pas. Le référentiel, il est purement laïque. Oui, Fabrice ? Oui, je comprends effectivement ce que dit Vincent, et je suis d'accord avec lui. C'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas conscience de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent. Ça, c'est tout à fait vrai. Et d'un autre côté, ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est pour rejoindre aussi ce que disait Valérie, c'est que bien souvent, ces gens-là n'ont pas connaissance du spiritisme. En ce qui me concerne, je suis un peu comme Valérie, c'est-à-dire que moi aussi, avant, je ne faisais pas attention à mes pensées. Voilà, j'avais des pensées, et elles étaient là, et puis je faisais avec, bonnes ou mauvaises, je ne m'en inquiétais pas. Mais c'est vrai que depuis que je lis Kardec, Léon Denis, surtout Léon Denis, effectivement, maintenant, je fais un peu plus attention quand même à mes pensées, à ce que je vais dire. Même des fois, des expressions qu'on emploie, je ne vais pas les employer là, mais vous voyez ce que je veux dire, quand on est un peu... Je dis, bon, stop, t'arrêtes de dire ça, maintenant tu trouves autre chose. Ou quand j'ai une pensée, je dis, non, là, je ne vois pas pourquoi tu penses ça, ça n'a aucune raison. Donc, effectivement, je fais beaucoup plus attention. Mais Vincent a raison en disant aussi que effectivement beaucoup de gens, malheureusement, peut-être parce qu'ils n'ont pas connaissance du spiritisme, ils n'ont pas eu la chance de connaître les textes, de pouvoir lire, eh bien, ces gens-là ne font pas attention à leur pensée, à leur façon de s'exprimer, à leur façon de... Donc voilà, c'est pas évident. Et comme tu disais, Charles, la vérité, entre guillemets, elle se situe entre ces deux extrémités, quoi. Hein, voilà, je pense que c'est une question de cheminement, c'est une question, il y a un moment pour tout dans la vie, pour chacun. Et puis, je pense que c'est comme ça que ça se passe, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et le spiritisme, quand même, enfin, moi, en ce qui me concerne, ça m'a quand même aidé ça m'a permis justement quand même de faire attention à tout ça et de se dire, bon, ben voilà, maintenant, j'ai plus lieu de penser comme ça, j'ai plus lieu de dire ça, je vais essayer de m'améliorer, c'est pas toujours évident, mais j'essaye de faire au mieux, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire. Ben, le but du spiritisme, c'est justement, c'est le seul but du spiritisme, c'est d'aider les personnes à s'améliorer. Hein. C'est ça le but. Et la responsabilité quand on fait quelque chose, quand on fait une erreur, dépend de la conscience qu'on a de l'erreur qu'on a faite. Si on fait si on commet une erreur sans le savoir, on sera forcément moins responsable qu'en commettant une erreur, en sachant très bien ce qu'on fait. Hein. Mais même si on se trompe sans le savoir, on aura quand même la loi de cause à effet qui s'appliquera, on subira des conséquences
moins forte que si on l'avait fait en toute connaissance de cause, mais le fait d'en subir les conséquences, c'est ça justement qui nous aide à apprendre que la chose qu'on a faite, elle n'est pas bonne. Vous voyez? Donc on apprend, hein, les gens qui fumaient il y a 50 ans, c'était bien de fumer, etc. Ben elles ont quand même eu le cancer. Aujourd'hui, c'est différent. C'est écrit noir sur blanc sur les paquets de cigarettes. Ceux qui fument aujourd'hui, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Et donc, forcément, le degré de responsabilité va changer. Plus on évolue, en fait, plus on est responsable. Et le but du spiritisme, c'est justement de nous aider à évoluer, de nous aider à aller vers cette connaissance des choses, vers cette responsabilité qui, d'un autre côté, nous apporte aussi plus de liberté. Plus on évolue, plus on sera libre. Avancer vers voilà, les esprits supérieurs, ben, ils sont évolués en sagesse, en connaissance, en liberté, et c'est vers ça qu'on tend. C'est de faire des choix en étant de plus en plus éclairé, quoi, de façon justement à faire les bons choix. C'est ça, exactement. Ouais. Voilà. Et donc, selon la liberté qu'on a. Hein. Il y en a qui, même en le sachant, continuent à faire, à choisir le... Bon, là, les conséquences seront un peu plus fortes, et donc forcément, tôt ou tard, elles comprendront que ce n'est pas la bonne route. Hein. Voilà. Si on veut éloigner les mauvais esprits, le meilleur moyen, c'est d'attirer les bons. Et donc, pour attirer les bons, ben, faut faire le bien, faut aider, voilà, faisant le bien... C'est comme ça qu'on repousse ces mauvais esprits qui, quand ils voient qu'ils n'arrivent pas à nous mettre le grappin dessus, ben, ils s'en iront ailleurs, quoi. Voilà. Et même quand on a un esprit à qui on a causé du tort dans le passé, le fait de faire du bien, de prier pour lui, etc., eh ben, ça va l'aider. Ça va aider dans ce processus de réconciliation, de pardon, etc. Donc, en faire le bien, ça, c'est la solution qui marchera en fait toujours. Voilà. Bon, après, pour la médiumnité, je pense que c'est clair. Hein, voilà, c'est une disposition organique. Je pense que hein, cette glande pinéale, bon, j'ai dit pourquoi pas. Hein, et les recherches ne sont pas en cours. Il y a eu une conférence il y a 2 ans d'un endocrinologue qui avait essayé d'analyser, de comparer les gens qui sont médiums et ceux qui ne sont pas médiums. Ce n'est pas aussi simple que ça, c'est un peu plus compliqué, mais je pense qu'à force de recherche, on va finir par trouver où est cette disposition organique qui fait qu'il y a des personnes qui ont plus de facilité de se communiquer aux esprits que d'autres. Voilà. Voilà. Ensuite, la médiumnité, elle est donnée à tout le monde, c'est quelque chose de neutre, ça on l'a aussi vu, hein. Bon, on en profite ou on n'en profite pas selon, encore une fois, notre libre arbitre. La médiumnité n'implique pas nécessairement les rapports habituels avec les esprits supérieurs. Ben oui, ça dépend là, de cette loi d'affinité dont on parlait tout à l'heure, hein, l'influence des esprits sur les hommes. Le médium qui a des mauvaises pensées, ben, les esprits qu'il a autour de lui, qui l'attirent avec ses mauvaises pensées, vont le poursuivre aussi dans les réunions médiumniques, hein, c'est clair. Et en rentrant dans un groupe médiumnique, ben, il va les amener et ça va porter préjudice à la réunion. C'est pour ça que vous voyez, le médium, en fait, par sa sensibilité, il faut qu'il fasse beaucoup plus attention encore que les autres, hein, à ses pensées, puisque lui, il en ressentira les effets assez rapidement, puisqu'il est médium. Hein. Voilà. Après, bon, ben voilà, quel est le but de la médiumnité? Donc, Emmanuel, alors là, je suis désolé, hein, Vincent, les trucs d'Emmanuel, c'est un peu religieux sur les bords, hein, mais il dit, voilà, une lampe que nous devons alimenter avec l'huile de l'humilité, avec laquelle nous devons nourrir la lumière sublime de l'amour, irradier la charité, la compréhension vers tous ceux qui nous entourent. Donc, le but premier de la médiumnité, là aussi, eh ben, c'est de faire le bien, c'est de servir d'intermédiaire aux bons esprits, de guérir quand on est médium guérisseur, de donner des preuves d'identité des défunts aux personnes qui sont en deuil, etc. Voilà. Et tout ça de façon désintéressée. Voilà. Donc, des médiums, ben, bon, il en faut. Vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront, avait dit Jésus. Hein. Et
Ce que disait le docteur Paolo Fructuoso, je ne sais pas si vous avez vu sa conférence l'autre jour, il dit que ben, plus l'humanité évolue, plus la proportion de médiums augmente. Voilà. Je pense qu'il a raison. Hein. C'est dans des mondes supérieurs à la Terre ou dans un monde de régénération, ben, je pense que la plupart des personnes, comme disait Jésus, prophétiseront, auront cette faculté médiumnique. Voilà. Et puis la mission médiumnique, ben c'est le progrès non seulement de l'humanité, enfin du prochain, d'aider son prochain, mais c'est aussi et surtout une occasion pour le médium proprement dit d'évoluer. Puisque lui, il est quelque part en première ligne, il a tout de suite, comment dire, les avertissements des esprits, qu'ils soient bons ou mauvais, qui lui montrent plus rapidement s'il est sur la bonne ou sur la mauvaise voie. Donner gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement, donc ça on l'a vu aussi, hein. Donc c'est ce que Jésus avait déjà dit. Moïse avait aussi, il y a la fameuse prohibition mosaïque, hein. C'est quand vous avez des témoins de Jéhovah qui viennent sonner à votre porte et que vous leur dites que vous êtes spirit, ils vont vous venir avec ça et dire « Ah oui, mais vous voyez que dans la Bible, il y a marqué que vous n'avez pas le droit de communiquer avec les esprits. » En fait, ce que Moïse avait interdit, c'est… Ce n'est pas la médiumnité, puisque hein, lui-même, les tables de la loi, tout ça, il les a reçus par médiumnité. Élie, enfin, tous les prophètes, ils étaient tous médiums. Jésus, les apôtres, ils étaient tous médiums. Les premiers chrétiens, ils étaient tous médiums. C'est que quand il y a le Vatican qui a commencé à s'installer, qu'ils ont commencé à interdire ça, qu'ils ont mis des sorciers, des soi-disant sorcières sur les bûchers et qu'ils voulaient se réserver un peu la médiumnité à eux. Et c'est encore la position qu'ils ont aujourd'hui, malheureusement, quoi. Mais le christianisme, tout est basé, tout le christianisme est basé sur des phénomènes médiumniques. Hein. Mais ce que Moïse il a interdit, hein, c'est justement ben, ceux qui déjà en profitaient pour extorquer financièrement les personnes un peu crédules. Et d'ailleurs, vous voyez, Moïse l'a interdit il y a 3500 ans, aujourd'hui ça existe toujours, et ce n'est pas interdit. Hein. Voilà, c'est la liberté, chacun apprendra... bon gré, mal gré, à qui il pourra faire confiance ou pas. Hein? Voilà. Alors, la médiumnité guérissante, c'est bien. Bon, parce que la plupart des gens, quand même, qui viennent voir des médiums ou qui vont chez Jean de Dieu au Brésil, malgré tout, hein, il paraît qu'il y en a encore aujourd'hui qui vont là-bas, ben, c'est pour guérir. Hein? Et c'est là où on voit que la vision de beaucoup de personnes, c'est guérir à tout prix. Hein? Bon, voilà, je ne suis pas dans cet état d'esprit-là, moi. Si je suis malade et qu'il faut que je retourne de l'autre côté, ben, je serais content, moi, de retourner de l'autre côté. Évidemment, je vais me soigner, hein, comme là, je me soigne. Hein, je suis encore passé sur le billard il y a 3 semaines, là. Mais voilà, ma mission n'est pas finie, je continue à la mener. Mais si ma mission est finie, qu'il faut aller de l'autre côté, ce n'est pas moi qui irai voir Jean de Dieu pour guérir à tout prix, hein. Et c'est déjà parce que ben, si je dois guérir, je guérirai, hein, que j'aille voir Jean de Dieu ou pas. Parce que après, pour aller voir Jean de Dieu, ben, faut se payer un billet d'avion, un passeport, machin, truc. Et tout le monde n'a pas les moyens, donc ce serait déjà une discrimination en soi. C'est pour ça que même ce genre de truc, moi, hein, plusieurs personnes m'ont dit, mais va donc voir Jean de Dieu. Je dis non, j'y vais pas. Je préfère suivre Chico, hein. Qui lui aussi, hein, il avait un problème à l'œil, et il allait voir Emmanuel, enfin, quand il a eu Emmanuel, son guide, il a dit, écoute, les esprits ne pourraient pas m'arranger mon œil, là. Et puis Emmanuel lui a répondu, mais tu te prends pour qui? Va à l'hôpital comme tout le monde. Hein? Regarde, estime-toi heureux, tu as 2 yeux, il n'y en a qu'un seul qui déconne, tu vois. Bon, ben voilà, ben, si je suis un peu cet esprit-là. C'est légitime, hein, de vouloir guérir quand on est malade, mais... s'il faut passer de l'autre côté, ben on passera de l'autre côté. De toute façon, on y passera un jour. Hein. Voilà. Voilà. Donc ça, après, oui. Alors, le magnétiseur qui se fait payer, hein, bon, il a étudié, il donne de son fluide à lui, il se fatigue après la pratique et tout. Donc, c'est pour ça que Kardec déjà admettait que le magnétiseur qui donne de son fluide magnétique à lui, c'est normal, et qui a étudié pour être magnétiseur, tout comme le médecin qui a étudié pour devenir médecin et pour soigner les gens, c'est normal qu'il se fasse payer. Hein. Mais dès que, comment dire, ça dépend que des esprits, comme c'est le cas de la médiumnité,
eh ben, les esprits, eux, ne se font pas payer, donc ce n'est pas légitime qu'on se fasse payer. Cela dit, ça n'empêche pas non plus le médecin d'être inspiré par les bons esprits. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où il faut bien... Et vous le voyez quand vous allez chez un médecin. Celui qui, hop, voilà, s'étend, reçoit le chèque, vous donne une prescription, et puis au revoir au bout de 15 minutes. Ou alors l'autre qui vous parle, qui vous écoute, qui fait son métier de façon différente, qui aura le sens du diagnostic beaucoup plus aiguisé que l'autre. Hein, on sent tout de suite quand la motivation d'un médecin, c'est uniquement l'argent qu'il reçoit à la fin de la consultation, qui fait ça mécaniquement, et l'autre qui fait son métier avec amour. On sent tout de suite la différence, hein, et on aura forcément tendance à plutôt aller voir le second. Et ben, c'est toujours la même chose, c'est toujours une question donc, d'intention. Maintenant, la médiumnité pure, hein, n'existe que grâce aux esprits. Donc, ce sont les esprits en fait qui sont à la base du travail médiumnique qui se réalise, dont le médium n'est que l'intermédiaire. Il y consacre un peu de temps, certes, mais c'est la position la plus claire, c'est quand même la plus honnête, c'est d'exercer la médiumnité gratuitement. Voilà, parce qu'on n'en dispose pas. La médiumnité peut très bien s'arrêter à un moment ou à un autre. Hein. Donc, voilà, c'est vendre la médiumnité, c'est vendre quelque chose dont on ne dispose pas, quelque chose qu'on ne contrôle pas. Voilà. Et après aussi, il y a la discrimination. Hein. Tout le monde n'a pas 150 euros pour aller donner à un médium. Donc, ça aussi, ce n'est pas juste. Hein. Ce n'est pas juste. Alors que chez les spirites... Le pauvre, il sera traité de la même façon que le riche, on ne leur demandera rien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Cette phrase-là, je l'aime bien. Quiconque connaît les conditions dans lesquelles les bons esprits se communiquent, leur répulsion pour tout ce qui est d'intérêt égoïste et qui sait combien il faut peu de choses pour les éloigner, ne pourra jamais admettre que les esprits supérieurs soient à la disposition du premier venu qui les appellerait à temps la séance. C'est une petite phrase courte, 17, l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 26, item 8. Mais c'est super bien dit. Et ça, voilà. Voilà. Après, il dit, ben, c'est pas toujours une question d'argent. Hein. Le médium qui, comme on en voit aussi beaucoup, hein, qui deviennent fameux, qui sont interviewés constamment, qui sont tout le temps dans les journaux, qui sont suivis par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, etc. C'est déjà quelque part une déviance, un dérapage. Quoi. Vaut mieux le médium simple qui reste dans sa petite maison, dans sa petite chambre, comme Chico Xavier qui dit, voilà, moi, je suis qu'un animal à la disposition des esprits, c'est les esprits qui font tout. Edgar Cayce était comme ça aussi, Bruno Gröning était comme ça aussi. Il vaut mieux suivre cette ligne-là. Voilà. Donc, c'est un peu long, là, vous verrez tous les arguments, justement, pour ne pas monnayer la médiumnité. Et donc, je dirais que c'est un des travers dont celui qui porte le plus de tort, en fait, à la médiumnité, mais même au spiritualisme en général. Et quand on était l'autre jour au salon Parapsy, donc là-bas, évidemment, c'est l'antre. Hein, vous avez des cristaux ici, les machins là-bas, le médium dans ses cabinets un peu plus loin. Et nous, on était là-bas en tant que spirit avec des bouquins, à donner des choses gratuitement et tout. Et ben, ça réchauffe quand même le cœur de voir les gens qui viennent, qui disent « c'est incroyable, vous faites tout, presque tout gratuitement », alors que juste à côté, il y a des gens qui sont… Ou qui transpire la malhonnêteté, ben voilà, ça, quelque part, ça nous encourage à continuer parce que les gens s'en rendent quand même compte petit à petit, tôt ou tard, que seul le désintéressement matériel et personnel peut nous apporter cette tranquillité. Voilà, donc est-ce que vous avez encore des questions?
Tout est clair? Ok, ben écoutez, ben dans ce cas-là, ben je vous remercie. La journée va être longue, il faut aller voter et tout. Hein, donc, on va s'occuper de tout ça. Cet après-midi, on aura une réunion à Mulhouse. Hein. C'est comme tous les 15 jours. Et puis, spiritisme, non, c'était la semaine dernière, hein, ce n'est pas ce soir. Voilà, je pense qu'on aura la prochaine conférence sur Léon Denis sera le vendredi prochain. Voilà. Ok, bah écoutez, merci beaucoup à tous. Hein, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Et puis, on va aussi remercier les bons esprits qui étaient là aujourd'hui pour nous aider, pour nous inspirer, pour nous faire réfléchir à toutes ces questions. Et que nous puissions donc nous en servir pour notre propre bien, pour notre propre évolution, pour améliorer encore plus la connaissance de soi, la conscience de tous ces phénomènes qui se produisent en nous et autour de nous. Voilà. Merci à tous, excellente journée, excellente semaine, et puis à bientôt.